Ce sera encore un temps très maussade et surtout bien instable pour ce dimanche, avec donc de l'instabilité qu'on retrouvera dès le matin allant du Massif central en direction de la Méditerranée. Donc ça sera beaucoup plus soutenu qu'en direction de ce tiers nord-ouest, avec certes des averses à tournure orageuse, mais aussi quelques éclaircies. Dans l'après-midi par contre, eh bien, beaucoup de nuages vont également bourgeonner en orage. Ça se passera surtout à l'est du pays, avec encore un petit peu plus soutenu vers le Jura et les Alpes. Donc d'ailleurs, toutes nos pensées vont vers les cyclistes du Tour de France, hein, parce qu'ils vont vraiment être gâtés à ce niveau-là. Et puis donc façade ouest, par contre, ça sera beaucoup plus calme, beaucoup plus lumineux, avec quand même une alternance de nombreux passages nuageux, mais aussi de belles éclaircies, mais avec du vent, hein, jusqu'à 60 km/h. Côté température, c'est en légère baisse par rapport à la veille. 14 degrés sur la plupart des régions, 17 degrés à Paris, 15 degrés du côté de Lille, 17 degrés également à Bordeaux. Et dans l'après-midi, la baisse des températures continue, avec 24 degrés dans la vallée de la Garonne, 19 degrés, pas plus, du côté de Brest, 23 degrés du côté de Strasbourg, et on conserve quand même des températures estivales pour la Corse, 28 degrés.